c'est le concilier. Viens, tombe, tombe, ta main tu vas tomber. Tombe, tombe, ta main tu vas tomber. Aussi bien que. Partagez la vidéo vite, mes amis. Bonjour à vous tous, hein. Bonjour à vous tous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Information capitale. Bonjour à vous tous, bonjour à tous mes followers, à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à Ouattara. On va le dire parce que nous on sait qu'il est l'heure maintenant. Alors, l'heure grave en Côte d'Ivoire, parce que Hassan Dahmé Ouattara a décidé d'envoyer des barbous en Côte d'Ivoire pour distraire le peuple ivoirien. Lui-même, il a si bien dit, hein, quand tu as l'instrument étatique, okay, qui est la télé, tu peux manipuler les informations, tu peux utiliser les gens. Ok? Et voilà les conséquences. Gouvernement de transition. J'aimerais saluer ici le président Henri Konan-Pétier, qui va monter cette plateforme-là, ce gouvernement avec tous les ministres à l'intérieur. Et chacun fera son travail. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres. Oui, j'aimerais vous dire à vous tous que le président Bédié est en sécurité. Ok. Et nous devons aller même encore manifester notre joie devant la résidence du président Henri Konan-Bédié. Parce que M. Hassan Dahmé Ouattara est fini, il est tombé. Il est tombé, je vous l'ai déjà dit. Et moi, je sais. Je savais. Ok, je sais. Les gars, ils ont infecté mon réseau. Hein? Depuis le matin, j'ai des problèmes de réseau. C'est pas possible. Je me demandais même s'il allait pouvoir bien faire le direct. Alors, M. Henri Konan-Bédié va former le gouvernement de transition dans les heures qui suivent. Et l'armée devra faire son travail républicain. Ok? Parce que M. Hassan Dahmé Ouattara ne peut plus nous distraire à ce niveau du match. C'est fini ça. Nous on a vu ici, on n'a pas vu ici d'observateur à Yamoussoukro, ni à Thiébissou, ni à Bengou, ni à Bouaké, ni à Korogo, ni où ça encore, à Tchassalé ou à Réve, ou Gagnoa, Daloa, on n'a pas vu d'observateur là-bas. Ok? Donc ils arrêtent de nous distraire, on ne les a pas vus là-bas. Ce sont des gens qui étaient venus pour aller dîner avec Ouattara. Ok?
passer leur temps à se pavaner avec les belles filles de Côte d'Ivoire et finir et venir prendre un communiqué à la RHDP, au RDF, Dieu, au rang du RDF bis. Ok, nous on va pas manger de cette sauce-là. Cette sauce-là hein, est périmée. Allez-y dire à ces brouteurs politiques, ok, qu'on paye avec l'argent du contribuable venir à côté des balivernes que hier, il y a eu des incidents graves dans notre pays, à Toumodi, à Yamsokro. Ok, et eux, ils sont restés muets face à ça. Nous, on est désolés pour le conseil. Un de un, ce sont des amis de la République. Ce sont des amis, ce sont les amis de Ouattara. C'est pas, ils sont pas venus pour nous. Ils sont pas venus faire un travail pour nous. Ils sont venus faire un travail pour Ouattara. Donc nous, on aimerait leur dire de la fermer et de rentrer chez eux. Ceux qu'on considère okay, comme des organes décisifs okay, en tant qu'observateurs, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. Okay? Même la CEDEAO est corrompue. La CEDEAO était incapable de dire à Ouattara que la Cour africaine des droits de l'homme a donné un verdict qu'il faut que tu respectes ça. La CEDEAO était incapable de faire ça. Donc on constate qu'ils se sont associés, Drummond et son petit groupe de présidents okay, d'Afrique de l'Ouest, pour vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Parce que à qui profite la Côte d'Ivoire quand elle va mal? Ça profite bien à ces pays-là, à ces pays voyous-là. C'est à eux que ça profite. Ça ne profite pas aux Ivoiriens. Mais oui, on ne va pas marcher les mots pour les classifier. Parce que si des gens prennent la parole au nom okay, de leur pays, c'est-à-dire que ces pays-là sont engagés dans la même forfaiture qu'en Zandamo Ouattara. Ils n'ont pas marché les mots avec eux. Ce sont des bâtards, okay, ce sont des voyous, okay, ce sont des idiots. Oui, ce sont des idiots. À cause de l'argent. Parce qu'ils sont pauvres chez eux. Et on leur donne un peu de milliards nets. Ils commencent à raconter des balivernes. Non, non, on ne va pas vous suivre dans cette bêtise-là. Et depuis ce matin, je peux vous le dire. Que sur mon Twitter, quand je veux le gourou, je suis assis sur mon tabouret là-bas. Puis il est frampon. Voilà. Je suis assis là-bas. Puis il est frampon dur. La ECOWAS, c'est de la merde. Oui, ECOWAS et l'Union africaine, c'est de corrompus. Oui, moi je l'ai dit. Et j'ai tagué même le président Trump dessus, j'ai tagué le président Emmanuel Macron dessus, j'ai tagué l'Union Européenne dessus, j'ai tagué toutes les institutions okay, internationales dessus, pour leur dire que nous, on ne va pas manger de cette sauce-là. On ne mangera pas de cette sauce. Non, on vous a déjà dit, Drummond n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Drummond n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Qu'il aille se faire foutre ailleurs. Allez-y, dis ça okay, aux gens de la CEDEAO. Allez-y, dis ça à l'Union Africaine. Un monsieur qui est poli envers les institutions et on veut que nous, les peuples de Côte d'Ivoire, dignes de dignité, nous on puisse le respecter. Ah bon? Vous voulez que nous on puisse le respecter? Jamais nous on va le respecter. Jamais de la vie. Jamais. Nous on ne va pas respecter ça. Donc allez dire à la sainte dans mon Ouattara que nous on ne va pas manger de ce pain-là. On ne mangera pas de ce pain pourri-là. On ne mangera pas de cette sauce qui est pourrie. Allez-y dire à Zandamo Ouattara qu'il peut envoyer ses barbouzes. Oui, il peut envoyer ses voyous politiques. Il peut envoyer ces gens-là qui paient avec l'argent du contribuable ivoirien pour venir se dédier, pour venir raconter des balivernes. Ils peuvent le faire. Ils sont libres. Hey, mais toi, le frère Karl Anouma, ok? Je vous l'avais dit, il y a un monsieur qui s'appelle Erwin Anouma qui est sur les réseaux sociaux. C'est son grand frère à lui. C'est eux qui sont en train de détruire notre pays aujourd'hui. Et on les utilise comme des jeunes politiciens frélatés, okay, des voyous, une bande d'incapables. On les utilise pour venir détruire nous-mêmes notre propre pays. Vous-même, votre propre pays, parce que vous êtes marié à la fille de Botelé Brahima, automatiquement, vous devez détruire la Côte d'Ivoire. Parce que vous bouffez l'argent du contribuable ivoirien, parce qu'on vous donne de l'argent pour faire vos business, et vous voulez détruire les Ivoiriens. Vous êtes jeunes, mais vous êtes méchants. Vous êtes jeune et vous ne voulez penser qu'à vos intérêts. Pensons aux intérêts du peuple. Pensons aux intérêts nationaux. Si vous acceptez, vous, qui vous dites intellectuel, acceptez que des gens, comme ces gens-là, envoient des gens vers vos propres frères pour aller les tuer, c'est que vous-même êtes capable de nous tuer aussi. Si vous acceptez ça, c'est que vous-même là, vous êtes capable de nous tuer. Edwin Anouma et Karl Anouma, c'est à vous deux que je parle. Si vous acceptez que Arsène Damon Ouattara assis chez lui à la maison, tenez Brahima assis chez lui à la maison, vous téléguide, pour venir détruire le peuple de Côte d'Ivoire, vous serez aussi emprisonnés comme eux. Oui, je vous le dis en vérité, vous deux, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous.
parce que vous ne pouvez pas continuer d'accepter la forfaiture des messieurs qu'on appelle l'ancien dans mon Ouattara de notre pays. Donc nous ne sommes plus libres dans notre propre pays de protester contre le troisième mandat de l'ancien dans mon Ouattara. Un troisième mandat qui n'est pas constitutionnel, qui ne respecte aucune norme de notre constitution. Et vous, vous allez vous associer avec Alassane Dramon Ouattara pour venir détruire vos propres Ivoiriens. Et nous, l'anomant, et quand l'anomant, c'est à vous deux que je parle. Oui, vous deux, je vous parle à vous deux. Parce que Henry Nanoma, lui, il a parlé son temps, c'est pas dans tout le pays avec l'argent du contribuable, aller faire des conférences. Oh non, on va conscientiser les jeunes parce qu'on lui donnait l'argent pour ça. Oui. Et donc, quand Nanoma a décidé de s'associer dans la forfaiture parce qu'il a marié la fille de photocopie, donc lui aussi, il est devenu observateur. Je suis choqué. Donc, vos frères qui meurent, vos propres frères qui sont en train de mourir en Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous inquiète pas. Vos propres frères à qui on envoie des microbes pour aller nous poignarder la nuit, là, ça ne vous inquiète pas. Vos propres frères à qui on envoie des barbouzes, des miliciens pour aller nous tuer la nuit, là, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous intéresse pas. Alors, vous deux, à vous deux, moi, j'aimerais vous dire que je vais lancer un appel au président Guillaume Soro. Vous deux, vous serez aussi arrêtés. Oui, vous deux, vous serez arrêtés. Ainsi que Makosso, ainsi que sa soeur, hein, ainsi que Ividero, parce que vous cinq, vous avez décidé de vous associer avec Alassane Dramon Ouattara pour nous détruire. Non, nous, on ne va pas accepter ça. Parce qu'on vous, on prend vos vues, on vous donne l'argent pour pouvoir venir raconter des balivernes sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. La Côte d'Ivoire mérite meilleur dirigeant. Alassane Dramon Ouattara n'est pas le meilleur de la Côte d'Ivoire. Vous-même, Karl Anouma et Henry Anouma, vous êtes des intellectuels. Pourquoi Alassane Ouattara ne vous choisit pas pour le remplacer? Ou bien lui, il a plus d'aptitude que vous. Ou bien il allait dans une école qui forme les présidents de Côte d'Ivoire. Il a une école qui forme les présidents de Côte d'Ivoire. Ou bien il va former les présidents du monde. Donc Alassane Dramon Ouattara va se donner ce droit-là. Vous de vous utiliser, vous, nos propres frères ivoiriens, pour venir nous détruire. À cause de combien? À cause de combien vous êtes prêts à faire décimer votre peuple? À cause de combien vous êtes prêts à faire tuer vos propres frères ivoiriens? À cause de combien? On vous donne combien pour ça? On vous donne combien? Alassane Dramon Ouattara, il a changé quoi dans vos vies? Il a changé quoi dans vos vies, vous? Il a changé quoi dans vos vies? Il a changé quoi dans la vie de vos cousins? Il a changé quoi dans la vie de vos nièces? Qu'est-ce qu'il a changé? Arrêtons d'être méchants. J'aimerais saluer ici le peuple de Côte d'Ivoire résistant qui n'a pas décidé de rentrer dans cette forfaiture avec Alassane Dramon Ouattara. J'aimerais vous saluer, peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi vous dire que oui, la transition marche avec le président Konan Bédié. Mon deuxième message va s'adresser aux gens de l'armée. Je vous avais dit ici que les forces spéciales m'avaient envoyé vers vous, le peuple de Côte d'Ivoire, pour vous donner instruction de sortir massivement et dire non à la forfaiture d'Alassane Dramon Ouattara. Aujourd'hui encore, je réitère le même message. Mais sachez que je vais l'amplifier parce que, d'après les services de renseignement, nous avons appris que le général Apalo a été envoyé pour mettre en arrestation le général Doumbia, qui est le général des forces spéciales et des militaires. On a décidé de le mettre aux arrêts. Oui, Alassane Dramon Ouattara a décidé de le mettre aux arrêts. On ne sait pourquoi. Parce que j'aurais appris que le général Doumbia a refusé, ok, de faire sortir ses hommes pour aller faire mater le peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer le général Doumbia pour son patriotisme. Parce que des élections, oui, mais pas des élections violentes. Des élections, oui, mais pas des élections coupées-couées. Des élections, oui, mais avec les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Des élections, oui, mais pas des élections où on va aller poignarder. On va envoyer des miliciens aller poignarder vos propres frères chez eux à la maison. Ce n'est pas ce genre d'élection-là. Ce n'est pas ce genre d'élection-là où Alassane Dramon Ouattara va donner l'ordre, okay, à des généraux, à des colonels, d'aller faire tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à ces élections-là que le peuple de Côte d'Ivoire aspire. Ce n'est pas à ça que nous aspirons. Après plus de 20 ans d'années de crise de notre pays,
On n'est même pas, Alassane Amon Ouattara n'est pas capable d'organiser des élections crédibles et transparentes et de se mettre de côté et de suivre le match. Il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire. Au contraire, il peut faire tuer les fils et filles de la Côte d'Ivoire, les empoisonner, les emprisonner. Vous, le peuple du Nord, vous, le peuple du Nord, je suis choqué. Alassane Amon Ouattara emprisonne vos enfants. Alassane Amon Ouattara tue vos enfants. Alassane Amon Ouattara met vos enfants en exil. Mais vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous fait même pas réfléchir. Ça ne vous attire, ça n'attire même pas votre attention. Mais vous pensez seulement qu'à vos ventres, vous êtes des corrompus comme Kanigi. Et je comprends. Je vous comprends parce que il n'y a pas de gens pour aller vous expliquer réellement ce qui se passe. Et moi, ça me fait mal. Mais vous allez comprendre très bientôt. Parce que je vous dis, dans quelques heures, le nom des ministres sera dévoilé et le gouvernement de Côte d'Ivoire va se mettre en place. Le vrai gouvernement, pas le faux gouvernement. Alassane Amon Ouattara, d'après leurs observateurs, leurs bouteurs d'observateurs, ils disent qu'il faut qu'on fasse arrêter les opposants politiques. Moi, j'aimerais vous rassurer et vous dire que ça ne va pas arriver. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez debout. Soyez debout. Depuis Yamoussoukro, depuis Boaké, depuis Toumodi, depuis Séguéla, depuis Mankono, parce que Kogo, là, moi, je les ai enlevés dans le calcul. Hein. Voilà, Kogo, je les ai mis de côté parce que ce sont des sorciers. Je les mets de côté parce qu'on ne peut pas accepter qu'une ville comme Kogo, okay, qui est une ville avec beaucoup, qui a souffert de cette crise-là, que M. Alassane Amon Ouattara a envoyé en Côte d'Ivoire, continue de supporter encore Alassane Amon Ouattara, au détriment même de ses propres enfants. Donc moi, je ne peux plus les mettre dans mes calculs. Kogo, vous êtes barrés. Voilà, vous êtes barrés. Alors, j'aimerais vous dire que le général Doumbia, ok, risque de se faire arrêter par le général Apalou. Je vous informe de ça ici maintenant parce que c'est une information qui vient de mes services de renseignement et c'est important. Et que sachez que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. La bataille a commencé. C'est maintenant que le combat commence. Oui, parce que Alassane Amon Ouattara a décidé, va décider peut-être d'ici, dans les heures qui viennent là, envoyer des gens dans les maisons encore pour aller, des miliciens pour aller nous tuer. Mais j'aimerais vous dire de continuer la résistance. Mes frères, depuis Yopougon, continuez la résistance. Oui. Mes frères, depuis Yamoussoukro, continuez la résistance. Depuis Abengourou, continuez la résistance. Depuis Gagnoua, continuez la résistance. Oui, continuez la résistance. Mes frères, depuis Blocos, soyez salués, continuez la résistance. On doit faire maintenant un mouvement vers la maison de Ouattara. Oui, on doit faire un mouvement vers sa maison pour lui dire non, qu'il sorte de notre pays. Oui, on doit lui dire non. Et moi, je vous dis ici à l'instant T que l'armée se mettra à la disposition du nouveau gouvernement de transition. Je vous le dis en vérité, prenez vos briques et vos feuilles, puis notez. Parce qu'il va, après, dès que les ministres sont nommés, on passera on va arrêter tous ces babouses là. Tous ces gens-là qui sont venus en Côte d'Ivoire, okay, pour faire le désordre, ils vont être arrêtés aussi. Et ils vont aller s'expliquer devant la chancellerie là-bas. Je suis assis sur mon tabouret et je vous donne une information confidentielle, de taille. Ils vont tous arrêter. C'est moi qui vous dis ça. Alassane Amon Ouattara va être arrêté comme un chien. C'est moi qui vous dis ça. Donc, ils ont décidé de faire sortir leurs gars le soir là, ok, pour dire non, il faut sortir pour créer la victoire. Voici un gouvernement qui n'est même pas du tout sérieux. Petit à Bobo là. À Bobo. Ils ont près de 300 000 et quelques personnes là-bas. 300 000 et quelques personnes qui ont participé aller faire leur pièce d'identité. Et il est là du vote, on n'a que 22 000 personnes qui vont voter. Qui vont voter. Et on nous dit que Ouattara a fait un taux de participation de 56%. Moi, je ne sais pas si c'est nous qui partons, qui sont mal partis à l'école, ou bien c'est le gouvernement d'Alassane Amon Ouattara qui allait mal à l'école. Parce que moi, je ne comprends pas. 56% sur 300 000 et quelques personnes. Alassane Amon Ouattara, tu vois rien. Moi, je t'ai dit, c'est Guillaume Soro qui t'a donné de la valeur. C'est Guillaume Soro qui t'a fait. Tu n'étais rien.
lié. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. J'aimerais vous dire à vous tous que... Donnez-moi une seconde. Yao Mbras va saluer. Alors, la Côte d'Ivoire en train de renaître de ses cendres. Peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire de rester concentré. Les heures sont décisives. Restez concentré. Je demande à tout le peuple de Côte d'Ivoire, et puis de paix et de justice, de faire un mouvement vers notre nouveau QG, notre nouvelle maison qui est la présidence de M. Bédier, d'aller là-bas, faire déposer maintenant nos bagages. Oui, allez-y, allons-y déposer nos bagages là-bas. Parce que c'est là-bas que nous allons ériger maintenant notre lieu de... notre ministre, notre présidence, pardon. Et nos ministres, ils seront là-bas jusqu'à ce que le dictateur Alassane Amama Ouattara dégage. Les heures qui viennent sont décisives. Alassane Amama Ouattara quittera le pouvoir. Qu'il le veuille ou non, il quittera le pouvoir. Donc j'aimerais vous dire à vous tous de rester concentrés. Alassane Amama Ouattara avait préparé un génocide en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en vérité. Avec les images que j'ai vues hier de tout maudit, je peux vous dire que votre serviteur KGB, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait seulement que 2 heures de sommeil. Je me suis réveillé. Je ne peux pas dormir quand je vois mon pays en danger. Je ne peux pas dormir quand je vois ma nation en danger. Je suis obligé de rassurer mes frères et de leur écrire, de répondre à leur message pour leur dire que nous tenons bon. Nous tenons bon. Là où Ahmed Bakayoko, là où Tene Brahima, là où Alassane Amama Ouattara envoyaient leur ministre pour nous tuer, nous on les a déviés. On dit non, on ne fera pas de guerre. Parce que c'est là, c'est sur ce tatami-là qui voulait nous envoyer, nous tous. C'est sur ce tatami de la guerre, parce qu'Alassane Amama Ouattara voulait faire la guerre. Et se donner des raisons avec l'opinion internationale. L'opinion africaine, que oui, lui il est le président de la Côte d'Ivoire. Non, nous avons évité cette guerre avec lui. Et vous voyez, de vous à moi, que Alassane Amama Ouattara a décidé d'envoyer ses miliciens pour aller tuer nos parents, pour aller les tuer, je vous le dis. Et hier, c'était carrément grave. Brûler les maisons des gens, détruire la vie des gens en Côte d'Ivoire. Et ça, il y a des gens qu'on appelle, d'après eux-mêmes, observateurs, qui viennent vous raconter des balivernes, venir dire aux Ivoiriens que oui, les élections sont bien passées, que les Ivoiriens ont voté dans la paix, dans la tranquillité. Mais je constate qu'eux étaient sur une planète Mars, et puis nous, on était bien en train de suivre ce qui se passait dans notre pays. Eux étaient bien assis sur une planète Mars, en train de boire du champagne, en train de manger du caviar, en train de rigoler, oui, en train de fumer le bon cigare, et nous, on était en train de pleurer. De pleurer notre nation, de pleurer nos frères. Nous, on était sur le tatami en train de défendre, ok, nos parents, nos amis, nos cousins, nos cousines, nos frères ivoiriens. Nous étions en train de les défendre. Mais malheureusement, Alassane Amama Ouattara n'a pas compris que le peuple souverain de Côte d'Ivoire restera digne. Oui, nous resterons dignes et nous lui dirons que Alassane Amama Ouattara, tu quitteras ce pouvoir. Parce que, à partir d'aujourd'hui, le nouveau président de la Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est M. Henri Konan Bédié. C'est lui qui va gérer la transition. Et il va faire son gouvernement dans les heures qui viennent. Et dès qu'on finit ce gouvernement-là, on passe à l'offensive. C'est-à-dire, on se met au travail. Oui, on se mettra au travail.
Et l'armée de Côte d'Ivoire est déjà en train de faire des mouvements parce qu'ils vont venir se rallier au nouveau gouvernement du nouveau président de la Côte d'Ivoire, qui est M. Henri Konan Bédié, parce que nous n'allons jamais reconnaître votre président fake. J'ai dit tellement il y a Dieu dans le palais des Ivoiriens. Ils viennent même prononcer leurs résultats fake. Et Dieu même les confond. Dieu même confond le monsieur même qui est en train de proclamer les résultats. Quoi de plus juste de comprendre que notre combat est juste et noble? Quoi de plus normal de comprendre que nous sommes dans la vérité? Quoi de plus normal de comprendre que nous les Ivoiriens, nous n'allons pas nous laisser abattre par ce monsieur? Regardez cette vidéo-là. Vous allez rire avec moi aussi. J'espère que je l'ai ici. Donnez-moi une seconde. J'espère que je l'ai ici. Un monsieur qui ment à ma gâche. Aïe, où est ma vidéo? Attendez. Il y a une information qui est tombée là, attendez. Donnez-moi. Il y a une information qui est arrivée, attendez, donnez-moi une seconde. Nous sommes dans la vérité. Quoi? C'est chaud. Excusez-moi. Même l'Union européenne même a refusé de venir assister à cette mascarade. L'Union européenne. Ils ont refusé de venir assister à ça. Quand je vois Azana Ouattara en train de se masturber, lui et puis son petit parti politique là, en train de raconter des balivernes, je me pose bien des questions. Est-ce que ça réfléchit bien? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Ça, c'est les effets néfastes de ce que Draman est en train de causer en Côte d'Ivoire. Ok? Ça, c'est grave. Brûler les maisons des gens. C'est grave. Et avec ça, on veut nous dire qu'on est en train d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Les gars. Quelqu'un vient de pirater mon compte Facebook, hein? Parce que je n'arrive pas à comprendre, il cherche un truc là, je trouve pas. Moi-même, je suis mon propre compte, les gars. Je ne trouve pas mes trucs. Ça, c'est la totale. Bon, de toutes les manières, les gars, sachez que tout à l'heure, je vais faire une diète. Préparez-vous, encore, on va revenir à la charge. Et je vais vous faire des démonstrations tout à l'heure. Donnez-moi
le temps de revenir et puis travailler sur les formations qui viennent d'arriver. Ok. Et Assad Amon Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc restez sereins. Vous pouvez aller dormir tranquillement. Et, mais restez toujours mobilisés parce que nous sommes attaqués. Donc je vais vous demander de rester toujours mobilisés. Restez toujours mobilisés. Après les élections, ce n'est pas la guerre, il faut le dire au RHDP. Mais s'ils ont testé les attaques aux Ivoiriens, nous demandons à l'armée de Côte d'Ivoire. Ok. Les forces spéciales, vous m'avez dit de venir donner un message. Nous voulons que vous protégez le peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons que vous protégez le peuple de Côte d'Ivoire. Assad Amon Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de protéger le peuple de Côte d'Ivoire maintenant. Les forces spéciales, l'armée de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, nous vous demandons de protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Le général qui a décidé de suivre Assad Amon Ouattara, c'est bien Touré Apalo, qui a décidé de mettre le pays à feu et à sang pour Dramane. Alors qu'il est très conscient que quand il partait à l'école, c'était pour les Ivoiriens, c'était pas pour lui. Donc, s'il a décidé d'aller dans l'armée, la gendarmerie, et de jouer un rôle négatif, parce que son rôle est négatif, parce qu'il veut s'associer avec un général de l'armée pour détruire la Côte d'Ivoire, et avec le président déchu, qui est Assad Amon Ouattara, parce qu'il est devenu ex-président de la Côte d'Ivoire. Ben, jusqu'à aujourd'hui. On a eu le vieux là. Il est belé. Il est trop belé. Il était assis. Il pensait qu'il avait réussi tout. Mon vieux, tu es un plaisanté. Tu es un plaisanté. Voilà, tu es un plaisanté. Tu es un gros chat. Et tu sais, maté. C'est bon, vous dites. Ceux qui sont en train de nous insulter, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais sachez qu'Assad Amon Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Il ne sera plus notre président. Notre nouveau président, ce moment de la transition, c'est Henri Konan Bédié. N'en déplaise aux jaloux. N'en déplaise aux jaloux. Oui, n'en déplaise à vous. Parce que vous supportez l'insupportable. Vous supportez la bêtise. Vous supportez, ok, les conneries de M. Assad Amon Ouattara. Alors, nous vous disons merde. À vous, nous vous disons merde. Oui, nous vous disons merde. Et Ado ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. On est là, ici, bien assis sur mon tabouret. C'est dès qu'il... Ado, là, c'est une question de quelques heures. Commencez à vous rallier vite. Hein? Pour Ado, là, c'est une question de quelques heures. C'est moi qui vous dis. C'est une question de quelques heures. Quelques heures. Voilà, quelques heures. Le pays, d'abord, lui-même qui l'a construit, il envoie des barbouzes, des miliciers pour aller le détruire. Vous êtes des rêveurs. Assad Amon Ouattara, il est fini. Il est fini comme un chat. Il est fini comme un chat. Ça m'énerve là, je ne trouve pas mon truc. Numéro 2, il y a quelque chose que je cherche que je t'ai envoyé, mais je ne trouve pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'envoyer ça sur le numéro 2 là? Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avec Goliath. Vous partez même à la haine, vous partez, vous mentir là-bas vous-même. C'est vraiment Dieu. Non, Dieu est fort. Hein. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'ils allaient faire les bêtises et puis Dieu allait accepter ça. Non, Dieu est fort. C'est pas bon, Dieu est fort. Vraiment, Dieu est fort. C'est moi qui vous dis ça. Dieu est fort. Dieu est fort. Assad Amon Ouattara est fini comme ça. C'est fini. On parlait de lui au passé. Oh.
viens avec ton Jean Vélo. Tu viens avec tes mystiques. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas coller. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Oh. Comme t'as dit, va des que ce qui est sûr. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Tu viens avec ton thème mystique. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme ta vie sera bien que Goliath. Tu viens avec tout tes Goliath. Moi je viens au nom de Jibor. Moi je viens au nom de Shaddai. Ce qui est sûr, toi tu vas prendre là-haut. Comme ta vie avait écrit Goliath. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme ta vie avait écrit Goliath. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme ta vie avait écrit Goliath. Mobilisez-vous. Allez, on fait écouter quelque chose. Il faut écouter quelque chose. Restez là. Il faut écouter quelque chose là. C'est la honte. La honte du gouvernement à la zone d'Amouata. Abobo. Inscrit. 397 677. Personnel d'Astreinte. 1515. Votant. 22 828. Taux de participation 56,66%. Bulletin nul 4707, soit 2,08%. Bulletin blanc 2477, soit 1,12%. Suffrage exprimé 222 121, soit ont obtenu, Alassane Ouattara, 210 913 voix, soit 94,95%. Afingé Saint-Pascal, 1442 voix, soit 0,65%. Bédier, attendez. Aimé. Alassane Ouattara, 210 913 voix, soit 94,95%. Afingé Saint-Pascal. Non, les gars, c'est des menteurs. Ah, tu sais, les gars. Soit 0,65%. Regardez. Sur 300 et quelques mille. Ok? Écoutez, hein? C'est grâce au mensonge. Là. C'est trop grave. Attendez. Sur 300. 97 000, presque 400 000 personnes. Ils disent que la zone Ouattara est 210 000 voix. Hein? Et lui-même, il dit que votant 22 828. Ah! Mon ami, toi, tu es de l'opposition, voilà. Il y a que lui, il va le frapper. Voilà, il va le frapper. Lui, il va le frapper, c'est un gars de l'opposition. Il va. Les gens disent, ah, demain, mais il dit que. Hein? Il t'a dit. Ça, c'est la bêtise humaine, moi je vous dis. Je regrette d'avoir voté ces gens-là un jour. Ouais, c'est pas possible. D'accord, c'était quand j'ai mis le coup. À tout à l'heure.